What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vidéo à un jour de ma compète. Donc il est actuellement 4h55, 4h57. Donc voilà, je viens de me peser, envoyer mon bilan à mon coach, comme d'habitude. Un jour avant la compète, je le répète, je suis content. Donc 74 kilos ce matin. On va baisser l'eau, on va baisser le sel. On va commencer à dry out, comme ils disent les Américains. On commence à virer l'eau. Donc là, je suis en train de préparer mes gamelles pour la journée, vu que je pars à Avignon. On commence à virer l'eau pour que le corps il commence à aspirer les glucides et qu'on commence à se remplir. Donc voilà, écoutez, je vais préparer tout ça. Et puis, on se retrouve pour le petit déjeuner dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Bon les gars, du coup, premier repas de ce carb up. Donc on va attaquer, déjà j'ai pas à boire, mais bon ça c'est un détail on va dire. On va attaquer par du coup 50 g de blanc d'œuf, 2 œufs entiers, 70 g d'avoine, 1 g de sel, j'ai mis paprika, herbe de Provence comme d'habitude quoi. Sel, poivre, du coup 1 g de sel, 500 mg d'eau à la fin qu'il faudra que je boive, donc de la Courmayeur, donc quand je prendrai mes compléments. Et mes abricots secs, donc 20 g d'abricots secs. Je vous montre ce que ça rend. Et puis, je vous dis à plus tard pour le prochain repas du coup. Allez, let's go. Bon la team, en vadrouille du coup. Je viens de me peser avec ma balance du coup sur l'aire d'autoroute pour pouvoir manger le prochain repas. Je suis obligé d'envoyer mon poids à mon coach qui va ajuster la diète en fonction. Donc voilà, écoutez, c'est parti, peser 74,1, on continue à recharger, je continue à dormir dans la voiture, mais de toute façon on se retrouve dans la voiture pour filmer le prochain repas. Je vous dis à tout de suite, avec ma balance, je vais essayer de passer discretos, qu'ils ne me prennent pas tous pour un fou. Allez, à tout de suite. Bon la team, on a trouvé un petit coin tranquillou pour manger, je vais prendre mes 500 g de Courmayeur. Du coup, mets 200 g de riz avec 80 g de poulet et 1 g de sel. Donc voilà, le corps en train de virer la flotte parce que du coup, le poids ne monte presque pas malgré les repas qui s'enchaînent. Donc on va continuer comme ça. On vous tient au courant. De toute façon, là j'arrive à Avignon dans 1h30. On a fait une demi-heure de route. Et puis voilà, je vais essayer de dormir sur le reste de la route. Et puis voilà, après on récupère Airbnb, on fait les courses. Et je vais vous laisser parce que j'ai la dalle. Je vous dis à plus tard. Bon la team, après des heures et des heures à se reposer, à tout raser, à se changer, se doucher, etc., etc. On se retrouve pour le repas numéro 4 de cette journée du coup. On va avoir 120 grammes, 120 ou 150 grammes de blanc d'œuf, je sais plus. 1 g de sel, 200 g de riz, 20 g d'abricots secs que j'ai déjà mangé. Donc je vais manger tout ça, après je vais boire ma quantité d'eau, prendre mes compléments et puis on va aller se peser et s'inscrire à la compétition. Ça se rapproche, let's go, je vous laisse, comme d'habitude j'ai la dalle, à plus tard. Bon les gars, petit bilan, du coup on est à l'avant-dernier repas du soir, il est 19h15. Je me suis pesé, je fais que 300 g de plus que ce matin avec les 4 repas dans le ventre. Donc on a décidé d'augmenter un petit peu les carbs. Ça va exploser. Donc hop, on a décidé d'augmenter un petit peu les carbs. Donc on a un repas beaucoup plus fourni là. Je vais avoir des galettes de riz, de la purée d'amande, du coup mon riz avec mes blancs d'œufs. Je vais avoir pas mal de trucs. Il restera encore un repas juste après, donc de toute façon on va voir ça et on va voir à combien je suis demain matin. De toute façon je pense que je vais faire une seule vidéo pour ces deux jours de compétition. Et puis voilà, donc écoutez, je vais manger tout ça, je vous mets un petit rendu de tout ce qu'il y a à bouffer et puis je vous dis à plus tard pour le prochain bilan. Normalement il y en a un 21h, donc je vous dis à tout à l'heure. Il bouge à côté, il ronfle, il fait n'importe quoi.
sec. Et du coup, on va manger les compléments, boire le tout petit peu d'eau qui me reste avant la scène. Et puis, on est le jour J, donc on va profiter. Et je vais manger avec madame. Je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve en backstage. Allez, ciao. Bon, la team, c'est le jour J. Let's go. On va se faire tanner pour la première fois. Donc, tout raser, tout épiler, tout gommer. Je me suis fait un petit dommage et tout. Let's go avec ma chérie, on y va. Tan et après compétition, c'est parti. Let's go. Ouais, on court. Ou en IBB France, vous êtes recalé directement, sans passer par case départ, sans toucher les uniformes. Donc la prochaine fois, faites attention. Si vous faites deux catégories, prenez deux maillots. Très bien, messieurs. J'ai fini de faire parfois tard, c'est pour vous que je le dis, si on continue par la suite. Messieurs, s'il vous plaît, carte de votre droite. Carte de votre droite. L'autre côté, s'il vous plaît. Voilà. Rien de grave.
s'il vous plaît. Du coup, on se retrouve le lendemain de la compétition. J'ai bien dormi, du moins un peu compliqué. Je vais pas tout vous expliquer parce que du coup, c'est un peu galère. Mais du coup, là, on va petit déj tranquillou. J'ai reçu ma diète pour aujourd'hui, donc J+1 après la compète. La condition est pas trop mal. Je sais pas si là. Donc voilà. Écoutez, on va profiter tranquillement. On va en manger tout doucement. On écoute le corps, dès que ça bloque un peu, bah j'arrête direct, parce que ça sert à rien de forcer pour être malade. Donc voilà, écoutez, on va manger tranquillou avec madame, après on va rentrer tranquillement sur Lyon, et puis ce sera la fin de cette vidéo.